ステーション。J'ai l'impression que ça remonte à un millénaire. Je me suis extirpé de cette caverne. Je suis devenu Iron Man. Je me suis rendu compte que je t'aimais. Je sais que j'avais dit plus de surprises, mais j'espérais vraiment pouvoir t'en faire une dernière. Le monde a tellement changé. Ce qui est passé est passé. Il faut faire du mieux qu'on peut. Et parfois, la meilleure solution, c'est de tout recommencer. J'ai vu tous ces gens mourir. Je n'arrête pas de dire à tout le monde qu'il faut avancer. Certains le font, mais pas nous. Même si nous n'avons qu'une chance infime, notre devoir envers ceux qui ne sont plus parmi nous, c'est d'essayer. On va le faire. Quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix.
Elle me plaît. PS4 for the players. Donc bienvenue aujourd'hui pour l'émission un peu spéciale de la GWF PCC, donc l'After FIFA de la GWF. Donc je dis spécial parce qu'aujourd'hui justement il y aura comme programme donc la PCC. On va aussi parler de la Spring Challenge qui est en cours, mais surtout du tirage au sort de la Community Cup. Et avec moi aujourd'hui, hein, toujours mon dormeur. Salut à toi, Bayou. Salut, Ébric. Salut à tous. Ouais, je sors effectivement de la sieste. Ça fait pas de mal de temps en temps. Et je pense qu'on va passer une belle émission. Ouais, bah, le problème, c'est que tu dors beaucoup.
tu dors vraiment beaucoup, en fait. Est-ce que tu hibernes? Ouais, ça m'arrive, ça m'arrive. Ah là là, franchement, toujours les mêmes blagues au bout d'un moment. Il faut arrêter là. J'ai trouvé quelque chose d'autre. Et avec moi aussi, il y a le GM du FC Paria. Salut à tous. Salut à toi. J'ai eu du mal. J'ai bégayé sur ton nom. Tu l'as vu? Salut à vous. Salut Mario. Ça va, ça va. Ça va. Un plaisir d'être dans une émission de nouveau. C'était depuis la PCC1 que je n'étais pas revenu. J'avais pas trop le temps en ce moment. C'est ça. Tu nous manquais. Tu nous manquais beaucoup. Et il y a aussi avec nous qui vient d'arriver Corub du Shakhtar Donut. Salut à toi Corub. Bonjour à tous. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Ça va? Et ça a été ta semaine? Ouais. Ben ouais, on va pas s'en plaindre. Ça va. De victoire, je crois, si c'est ça. Ouais, c'est ça. Franchement, bah oui, après, quand on gagne deux fois, hein, on peut pas s'en plaindre. Ben ouais, ouais, ça nous a permis de bien confirmer, ça fait du bien. Oui, ouais, non, mais après, il faut continuer comme ça. J'espère que tout le monde ira loin, parce que je reste neutre. Même si j'ai préférence. C'est vrai que bah, j'espère que vous allez continuer comme ça et puis que vous allez quand même perdre au bout d'un. Ah, écoute, je ne vais pas être du même avis, mais en même temps. Bah après, non, mais c'est justement l'intégrité du championnat, tu vois, si vous écrasez tout. Alors, l'intégrité, est-ce le bon terme? Parce que bon, nous, on est tous ce qu'il y a de plus intègre. Hein. Non, mais justement, c'est pour le suspense après, bien sûr que. Ouais, pour le suspense, c'est sûr. Mais après, tu sais, tu connais FIFA. Hein, là, on a eu une belle série. Après, on ne sait jamais, quoi. Ça peut vite tourner. Hein. C'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'avec ce championnat, justement, avec les playoffs, rien n'est fait. L'année dernière, exactement. Vous avez fini quatrième en saison régulière. Vous avez fini troisième en saison au play-off, parce que vous avez battu justement cette équipe qui a 10 bandes de Toulouse eSport Club. Donc, nous allons commencer par la PCC. Justement, quel est ton avis sur cette semaine, monsieur Bayou? Bah écoute, des équipes qui confirment leur statut comme le Shakhtar. Ouais. L'équipe de Jinga qui est en train de tout exploser sur son passage, qui revient à 4 points du Shakhtar et qui se place deuxième. Donc, belle surprise et félicitations à eux. Pour ce qui est de ES Elementary, que dire, ça reste dans leur forme actuelle, on va dire. Ça joue bien au ballon, ça a encore du mal à accrocher les bons résultats, mais ça reste quand même dans les 4 premiers, donc c'est l'essentiel. Le FCM qui a un petit coup de mou. Et après, tout le reste, la Loud, pour l'instant, ça, c'est la Loud Montada, comme je l'ai dit sur Twitter. Ça remonte progressivement, ça fait plaisir. Le football club de Paria qui a un petit peu du mal. Ils ne sont pas dans leur grande forme habituelle, mais j'ai confiance en cette équipe. Et par contre, ça commence à se compliquer pour la Green Tie Sport, pour Aera, pour Avignon et pour Sauvage qui commencent à prendre du retard, quoi, tout simplement. Donc, une semaine mitigée pour la plupart des clubs et deux clubs qui confirment, voire trois qui confirment une bonne semaine, quoi, tout simplement. Mais justement, en revenant à Aera eSport Bayou, 7 matchs nuls, une seule défaite. Ouais, 7 matchs nuls, une seule défaite. Leur problème, comme je le disais dans les émissions précédentes, ils mènent au score, ça se crise. Ouais, c'est bien ça le terme. Ils ont du mal à garder le score. Quand ils sont dominés, qu'ils encaissent un but, directement, il y a sursaut d'orgueil qui fait qu'ils vont réussir à aller chercher le but égalisateur, mais après, plus rien, quoi. Donc, vraiment un travail psychologique à travailler, je pense, de leur côté. Justement, en coach mental, je pense que Bayou est très bon au niveau coach mental. Si vous avez besoin d'Aera eSport, je vous présente Bayou, qui est un bon coach mental. Je rigole. Ça serait bien. Alors, plus attendre, nous allons passer au résumé des matchs. Donc, ce qui s'est passé cette semaine. Donc, ça va être intéressant de voir
tout cela, j'attends justement le, avec le petit jingle de la JWF, j'attends le, tout simplement les réactions de, des protagonistes, donc Flint, Korub et puis surtout Bayou. Aux meilleurs analystes, des meilleurs analystes. Ouais, il ne faut pas trop mettre la pression. Sans plus attendre, on voit le premier match entre Aera eSport et puis le ES Elementary, justement. Donc, je te laisse commenter, Bayou. Non, bah, c'est vrai que c'est un style de jeu assez particulier sur ce match-là. Ça passait vraiment beaucoup sur les ailes. Vraiment énormément, énormément de centres. Que dire de plus, parce que c'est vrai que c'était un match, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions en fait, si tu veux, c'était vraiment beaucoup beaucoup de centres, il y a eu quelques belles parades des gardiens en face à face, mais sinon tous les buts venaient de centres, donc ouais, c'est un style de jeu assez particulier quoi. Il y a eu néanmoins ES Elementary qui a su montrer sur quelques occasions des belles actions en une touche de balle avec des beaux décalages, etc. Ça va chercher côté droit, ça repart côté gauche. Donc, ouais, c'était quand même un match assez plaisant à voir, mais ça passait vraiment excessivement sur les ailes, quoi, tout simplement. D'accord, ben, y a pas de souci. Et justement, le score final de ce match, peux-tu me le dire, s'il te plaît ? Ça fait 1-1 ou 2-2, il me semble. Donc, match nul. Tu devrais regarder tes fiches, monsieur Bayou. Ça serait mieux. Au lieu de dormir. Non, je te dis des bêtises. Il y a eu 3-1 pour ES Elementary. D'accord. Donc, ouais, donc la seule défaite, justement, d'Aera eSport. Alors. C'est ça. Tout à fait. D'accord. Donc, oui, donc, on nous demande nombreux, justement, tous les joueurs sont impatients d'avoir le tirage au sort de la Community Cup, donc ça sera durant l'émission, en fin d'émission précisément. Donc là, on va parler un peu de la JWF PCC, donc je rappelle, hein, qui est notre championnat donc, de la JWF, bien sûr. Et ensuite, on va parler d'un autre style, donc le 1 contre 1. Donc nous sommes en train de... Il y a une Sprint Challenge donc, qui est en cours. Donc, on va en discuter un peu. Nous sommes arrivés au quart de finale actuellement. Donc, on va en discuter un peu. Et ensuite, il y aura justement le tirage au sort de la Community Cup. Justement, il y a le responsable VPN et le responsable VPR qui sont avec nous. Salut à vous. Salut les gars. Salut. Ça va ? Allô ? Allô ? Ah, y a un problème de connexion. Oui. Ah, moi, je suis là. Vous m'entendez ? Oui. Donc là, c'est qui, là ? C'est le responsable VPN ou le responsable VPF ? VPN. VPN, d'accord. Salut, Lid. Il y a VPF aussi, les gars. Oui, bah justement, oui, je l'avais dit tout à l'heure, il y avait responsable VPN et responsable VPF. Et justement, oui, je ne savais plus qui est qui, en fait. J'ai du mal avec les voix. Donc, justement, là, comme je disais, nous sommes en train de montrer justement ce qui s'est passé actuellement dans notre championnat, donc la JWF-PCC. Je reviendrai vers vous d'ici une vingtaine de minutes pour discuter avec vous justement du tirage au sort et comment ça va se dérouler. Mais restez avec nous, bien sûr. Restez avec nous pour suivre ça, parce que justement, il y a des équipes de la JWF, notamment... il y a le GM du FC Paria qui est avec nous, qui va suivre aussi le tirage au sort. Et Korub qui fait partie du Shakhtar Donetsk, le premier du championnat chez WVF. Donc c'est vrai que oui, Bayou, peux-tu continuer à discuter de ce match ? Bah, moi, c'est surtout, j'avais des questions pour Korub et Flint, les mêmes questions. Oui, t'en prie. Que pensez-vous de cette équipe d'Aera, les gars ? Le premier qui veut répondre, hein, ne vous battez pas. Vas-y Flint, je te laisse parler. Merci. Ben, honnêtement, je trouve que c'est une équipe qui est pas mauvaise et qui a vraiment pas de chance, parce que c'est vrai que des fois ils mènent au score, ils ont tendance à se faire égaliser, ce qui nous arrive aussi ces derniers temps, ce qui nous est arrivé contre certains gros du championnat, contre par exemple FCM où je pense qu'on les a archi dominés et on prend un penalty à la 88e. Enfin, c'est des choses qui font que on perd deux points facilement.
Après, là, ils sont tombés sur une équipe d'Elementary qui était qui a su être plus décisive devant les cages. Donc, ça leur coûte leur première défaite. Ou sinon, je trouve que c'est une équipe qui devrait être mieux placée pour moi. Donc, pour toi, ouais. C'est un petit manque de chance sur certains matchs. Ouais. Ils auraient pu éviter de prendre quelques buts. Bah, moi, ce que je pense, c'est surtout psychologique, tu vois, parce que quand je les regarde jouer, franchement, ça joue bien. C'est une belle équipe. Surtout défensivement, ça tient mal à la route. Quand c'est dominé, ça a un sursaut d'orgueil et puis ça va chercher l'égalisation. Et par contre, quand c'est eux qui dominent et qui mènent au score, je sais pas, je les reconnais. J'ai du mal à les reconnaître, une crispation, je sais pas. J'aimerais bien avoir quelqu'un de cette équipe pour qu'il puisse nous en dire un peu plus. Mais c'est vrai. C'est vraiment un travail psychologique, quoi, j'ai l'impression, pour que ça aille mieux de leur côté. C'est vrai qu'on aurait bien aimé les avoir. On essaie de les avoir depuis quelques temps. Pas les avoir, justement, à ERA, c'est dommage. Moi, franchement, j'espère que s'ils nous écoutent, j'espère que lors du prochain live ou de la prochaine émission, ils seront avec nous. Parce que ça pourrait être intéressant d'avoir leur avis sur ce que l'on a, ce que l'on pense d'eux, surtout. Et voilà. Donc là, actuellement, nous regardons le match du Shakhtar Donetsk qui vient de marquer. Donc justement l'équipe de Korub contre Aravignon, ouais. Et du coup Korub, ton ressenti après ce match? Après ce match, ça s'est déroulé quand même bien. Tout s'est passé comme on l'aurait souhaité. Après Aravignon, je veux pas être méchant, mais bon c'est pas très en place en fait. C'est ça leur souci. On est d'accord, et il n'y a rien de méchant de toute façon, toute critique est bonne à prendre tant que c'est constructif. Donc, et justement, est-ce que tu as joué ce match, Bayou? Non, justement, non, j'étais pas là. Ah, c'est pour mais ça. Ça aurait peut-être pu être pire aussi, on ne sait pas. Mais c'est vrai que moi, en regardant le match, j'ai vu Avignon vous donner des ballons. Ouais. Surtout dans les relances, ça se précipitait trop, et vous, avec votre pressing... très agressif, c'est ce qui a fait la différence sur ce match-là, quoi. On les appréciait assez fort et ça a payé. Et là, le match qu'on a suivi en live, justement, encore le Shakhtar Donetsk qui joue contre le FCM, c'était le gros match de lundi que l'on a pu commenter, que l'on a pu suivre ensemble sur cette même chaîne Twitch. Donc un sacré match. Match, mais bon. Après je vais pas vous cacher, cette victoire, elle a un petit goût amer pour nous parce que ils ont deux décos. On aurait préféré quand même avoir un match complet et les battre. On les bat à la loyale, il n'y a pas de souci. Mais bon, les battre au complet, ça aurait été quand même autre chose. Ou peut-être pas les battre, justement. Parce que ils ont deux décos, donc c'est quand même pas. Du coup, ça enlève un peu de saveur à la victoire. Mais justement, ce match-là, c'est vrai que déjà, ça a mal commencé. Il y a eu beaucoup de retard. C'est vrai que sur ce match encore, il y a eu beaucoup de retard. Mm-hmm. Ce n'est pas de la faute du FCM. Pour une fois, je sais que s'il y a justement Hydros-Fenech ou Catalan qui se rappellent de ce qui s'est passé en dernier pendant les playoffs, mais c'est vrai que justement c'est dommage parce qu'il y a eu beaucoup de décos, franchement il y a eu beaucoup de problèmes de réseau et les décos, oui, comme tu disais, c'est dommage. Ouais, c'est dommage parce qu'après, je les ai trouvés un peu moins solides que ce qu'on a eu connu par le passé contre eux, ou alors c'est nous qui sommes montés d'un niveau, je ne sais pas. Mais on n'a pas vraiment été dans la difficulté sur ce match-là. Enfin, nous, on ne s'est pas senti dans la difficulté. Après, peut-être que vu de l'extérieur, vous l'avez vu différemment, je ne sais pas. Non, tu peux regarder le live. C'est vrai qu'on s'est dit que... Moi, au début du match, je pensais que ça allait être vraiment une belle affiche, une belle opposition. Et effectivement, plus les minutes passaient, plus on voyait le FCM se faire dominer, ne pas trop répondre, même s'ils n'ont pas lâché l'affaire. C'est vrai qu'on a du mal à les reconnaître par rapport à la première saison, mais un gros changement dans l'effectif peut répondre à ces questions aussi, parce qu'il y a vraiment eu un gros, gros changement au niveau de l'effectif. Donc, ils sont en transition et on espère les revoir aussi fort que l'année dernière, surtout avec leur défense de l'année dernière qui était vraiment quasiment impassable. C'est ça. Et justement, moi j'aimerais bien revenir justement sur le penalty que vous avez encaissé. Je trouve que c'est justement, peux-tu me dire quelque chose? Écoute, le penalty, c'est moi qui le provoque.
Donc, je sais pas, je presse debout, hein, je presse debout. Donc, j'ai dû attraper un pied. Je vois pas trop parce qu'en plus, il y a quand même un amas de joueurs sur le coup. Non, non, je presse debout, je tacle pas, mais bon, mais écoute, trop physique, il est tombé, pénalty. Il y a justement Shakhtar Donetsk FIFA qui marque Korup 33 Boucher. Je suis connu pour ça, mais bon, je suis dans l'axe de la défense, il faut que je m'impose. C'est ça. Surtout que, ouais, en fait, est-ce que ton surnom vient de Gueduskaj d'Alban Ivanov, le boucher des Yvelines? Pas du tout. Donc, justement, oui, donc on va parler, c'est vrai, parce qu'on parle beaucoup avec toi. J'aimerais bien parler un peu avec Paria, parce qu'actuellement, nous voyons le classement. Donc, justement, Flint, comment expliques-tu cette moitié de saison un peu mitigée? Parce que c'est vrai que 2 victoires, 4 nuls, 2 défaites. Ben, c'est ce que je disais, c'est que sur les 4 nuls, il y a souvent, ben, je pense qu'au moins 3 fois sur les 4 où on menait au score et on s'est fait égaliser vraiment dans les 10 dernières minutes contre par exemple FCM. Je ne sais plus contre qui on a fait match nul encore. On a fait match nul, ben, on a fait match nul lundi aussi. Ouais, on a fait beaucoup de matchs nuls et beaucoup de matchs nuls où c'est nous que, enfin, c'est nous que dominions et qui on prend un but, on ne tient pas le résultat. Voilà. D'accord, d'accord. Ça explique notre placement. Ouais, parce que c'est dommage, c'est vrai que vous faites un. Enfin, vous êtes pas loin, vous êtes à 2 points justement du FCM qui est 4e. Et justement, qu'est-ce qu'il faut changer justement pour améliorer ce ratio et justement être qualifié pour les playoffs, parce que c'est vrai que là on arrive à la moitié de saison et il reste encore une autre moitié. Et qu'est-ce qui peut changer justement? Il faut savoir tenir un résultat quand on n'a qu'un but d'avance, ou savoir ne pas arrêter de jouer comme on l'a peut-être fait contre Jinga. Comme je disais, on a joué Jinga qui est une très très belle équipe. Mais un quart d'heure on gagnait 3-0 et puis on a arrêté de jouer. On a arrêté de jouer à 3-0 et puis derrière, ben, on en prend un, ils prennent la confiance, on prend un deuxième but sur une erreur, puis un troisième sur une autre erreur. Et à 3-3, ben, on commence à paniquer, ça commence à balancer des ballons au lieu de continuer à jouer comme on sait le faire. Et puis après, ça panique et puis on prend un quatrième, puis après, ça ne joue plus, quoi. C'est des matchs qu'on perd, par exemple, sur juste parce qu'on arrête de jouer. Ça nous arrive assez souvent d'arrêter de jouer. Dès qu'on a 1 ou 2 buts d'avance, on a souvent tendance à arrêter de jouer ou à se reposer sur ça, au lieu de continuer. Et ça, c'est à rectifier pour la deuxième partie de saison, si on veut aller chercher, si on veut aller chercher le podium, quoi. Parce D'accord. que je pense qu'on en est largement capable. Oui, parce que quand on regarde le classement, c'est vrai que c'est même la troisième place qui reste à 2 points. Jinga est un peu plus décroché parce qu'ils sont, ils sont plus proches du Shakhtar, justement, de Korub. Que de vous, c'est vrai. Mais après, je pense que la troisième et quatrième place sont à portée de demain. Justement, les prochains matchs, comment vous allez les jouer justement pour essayer de ne pas garder ce résultat? Comment allez-vous les jouer justement? Parce que vous jouez justement ES qui est troisième. On va les jouer 2 fois en plus cette semaine. Enfin, vu qu'on doit jouer 3 matchs, on va les jouer 2 fois. On va jouer l'aller-retour contre Elementary et après on va jouer Sauvage. Tout à fait. Donc je pense que Sauvage, on est obligé de. Enfin, pour moi, on est obligé de prendre des points vu qu'on l'a fait cette semaine, on les a joués, on a pris des points. Donc pour moi, on est capable d'aller prendre des points. Et là où il va falloir aller chercher des points, c'est contre Elementary, quoi. Si on arrive à aller chercher 2 victoires contre eux, on revient 6 points, on revient sur eux, quoi. Et c'est réglé. D'accord. Il va falloir être costaud dans le jeu et surtout mentalement, je pense. Ouais. Vous allez changer votre tactique? Vous allez faire comment justement? Vous allez rester sur le même dispositif, la même tactique? Ou vous allez vraiment changer justement pour ces matchs? Je pense qu'on a envie d'essayer de changer de dispositif, même si je pense que le problème qu'on a n'est pas le dispositif, parce que voilà, on marque des buts, je pense qu'on est assez solide, qu'on n'arrête pas de jouer. Je pense que c'est plus mentalement qu'on a un souci, fait mentalement, vraiment dans le mental ou dans le fait d'arrêter de se sentir gagné parce qu'on a l'avantage. Mais c'est plus mentalement que dans le dispositif. Mais c'est possible qu'on essaye un nouveau dispositif.
Ouais, donc en fait, vous êtes aussi, mentalement aussi touché qu'Aera, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Mais sauf que nous, ça nous coûte, ouais, ça nous coûte beaucoup de points. Vraiment beaucoup de points, parce que je pense que même contre les grosses équipes, il n'y a aucune grosse équipe, enfin, des grosses, seulement nous qui nous a mis une rousse, quoi. FCM, on les a archi dominés. Shakhtar, je ne me souviens plus, mais je crois qu'ils nous gagnent 2-0 contre le Shakhtar. 2-0. 1-0, où c'était assez tendu, ils ont dominé, enfin, c'était assez tendu contre le Shakhtar, et une belle équipe. Et, mais je pense qu'on est capable d'aller chercher toutes les équipes qu'il y a dans le championnat. Hein. Enfin, il y a beaucoup d'équipes qui sont capables d'aller chercher, toutes les équipes du championnat sont prenables en fait. Donc pour toi, c'est un championnat assez homogène en quelque sorte. Tout le monde peut battre tout le monde. Pour moi, il y a 6 équipes et après qui sont les autres qui sont pour moi un peu en dessous, mais qui sont capables d'aller faire une surprise, quoi. Enfin, sur un match, rien n'est gagné, quoi. Ça, il y a tellement de probabilités sur un match. Il suffit que, ben, je sais pas, le celui-là qui est désigné comme challenger, il ouvre la marque contre celui-là qu'on pense gagnant et le doute s'installe. Il suffit que derrière il y ait un penalty ou quoi que ce soit. Ça va vite, hein. Ça va vite, FIFA. Donc, je pense que tout le monde est capable de gagner tout le monde. D'accord. Et au match retour, vous êtes capable de battre le Shakhtar, justement ? On essaiera de battre le Shakhtar. D'accord. Bah. Et justement, Corup, est-ce que tu as une réponse à lui donner ? Une réponse, non, mais je voulais juste reprendre un truc, justement, parce que ben, c'est Paria qui parle, là, c'est ça, si j'ai bien compris. Sans vouloir faire de mauvaises comparaisons, ils me font penser un peu à Hera, justement, qui malheureusement n'ont pas réussi à avoir une seule victoire. Mais c'est dans leur système de jeu, parce que bon, parler de malchance au bout de 8 journées, bon, je pense que là, ça fait trop de journées pour parler que de malchance. Mais en fait, c'est des blocs bas et qui attendent beaucoup, qui ne sont pas forcément portés vers l'offensive. Et je pense que c'est ça leur souci, en fait. C'est jouer qu'en contre sur une équipe qui va être bien en place. Je ne sais pas si c'est la bonne stratégie. Tu ne nous as pas regardé parce qu'on ne joue pas du tout en contre. Ah, après, moi, je te parle juste des matchs que j'ai fait contre vous, hein, contre Aera ou FC Paria. Je trouvais que vous faisiez beaucoup circuler le ballon très bas. Ah oui, après, on a un style de jeu de possession, mais on n'a pas un style de jeu de contre. Après, si le contre est jouable, il est jouable. Après, voilà, c'est... Ouais, ça fait beaucoup tourner, et parfois peut-être pour pas grand-chose, sans vouloir... On a beaucoup tendance à faire tourner, alors que des fois, il y a des passes pour casser les lignes. Ouais, ça tourne bas, en plus. C'est faire tourner comme vous faites tourner, mais dans le cas adverse, je pense que ça serait beaucoup plus efficace. C'est sûr. Et justement, Bayou, qu'est-ce que tu penses de cet avis de Corup, justement, sur le FC Paria et Aera? Bah ouais, c'est vrai qu'on peut les comparer un petit peu du fait de leurs résultats, de leurs matchs nuls, etc. Mais je trouve le Paria quand même pas un peu plus agressif que l'Aera, tu vois, mais comment bien expliquer. Ouais, c'est une équipe du FC Paria qui, comme l'a dit Flint, ça a du mal à casser les lignes quand il le faut, quoi, et quand l'occasion se présente. Ça va garder le ballon un peu plus que ce qu'il faut, et des fois, ça va la perdre pour un rien. Donc ouais, bah, il manque peut-être une petite vista supplémentaire pour pouvoir casser les lignes au bon moment. D'accord, bah c'est parfait. Et Corup, j'avais 2-3 questions à te poser, justement, Corup. Une saison, franchement, aucune défaite, 4 points d'avance sur la Jinga. Qu'est-ce qui explique cela, surtout que tu me disais que tu étais un peu en... que tu me disais qu'il y avait un petit changement quand même avec des nouveaux joueurs. Qu'est-ce qui explique cela, justement, que même avec un nouveau dispositif, vous arrivez facilement, mais vous gagnez vos matchs ou vous ne les perdez pas, en tout cas. Ouais, facilement, faut pas exagérer. Ça tourne bien pour nous pour l'instant. Beaucoup de travail, du travail. On travaille énormément, faut le dire quand même. On travaille beaucoup, vu que la VPG tourne pas tous les autres soirs où on joue pas sur notre championnat. Eh bien, on travaille et on axe vraiment le travail sur nos points faibles, enfin sur ce que nous on estime être nos points faibles. Et pour l'instant, ça paye. Donc, on espère que ça va continuer. Bah oui. Et comment prenez-vous aussi votre rôle de favori avant chaque match?
Parce que vous êtes un peu l'équipe à la base, vous êtes la seule à... Ouais, on s'en doute, mais nous, on ne vient pas en tant que favori. On vient à chaque match en sachant qu'on peut le perdre et qu'on veut le gagner. C'est parfait. Bah, ça, c'est une bonne mentalité, en tout cas. Justement, Bayou, prends-en de la graine. Parce que en sprint challenge, il a été éliminé. Ça arrive à tout le monde, écoute. Hein. Une erreur de parcours. Ah, désolé, il fallait que j'en parle, Bayou. Ouais, a pas de souci. J'aurai ma revanche. Bah, j'espère. Parce que c'est vrai que oui, donc actuellement, il y a eu beaucoup de joueurs aussi de Club Pro qui y ont participé. Des joueurs que vous connaissez, je pense. Idros Fenech, il y a eu Sous-Prophète, Gribouille. Gribouille qui y ont joué. C'est vrai que là, actuellement, nous sommes en. Comment ? Non, mais il n'y a personne qui parle. Je pensais, j'entends des bruits. Tu réponds à l'écho. Tu réponds à l'écho. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça, en fait. Je pars à mon écho. Non, mais oui, il y a eu beaucoup de, joueurs de Club Pro qui sont venus. Et on voit la différence entre Club Pro et des joueurs de 1 contre 1. C'est vrai qu'ils ont tous été éliminés, malheureusement. Et justement, j'aimerais bien avoir le bracket Cédric pour vous montrer un peu hein, ce qui se passe actuellement la Spring Challenge. J'en parlais rapidement. Je veux juste vous montrer aussi que Bayou a été éliminé. Ah, alors, ça a été la meilleure nouvelle de ta semaine, ça. Hein. Ça, c'est, je te jure que c'est vrai en plus. Parce qu'alors. Là, il faut savoir qu'on s'était lancé un défi. Si j'atteignais la finale, Emeric quittait la WWE. Voilà. Malheureusement, mission échouée. Malheureusement. T'as fait exprès ouais. Parce que tu l'adores. Ben oui, mais faut pas le dire, faut le laisser. Merci de défendre Corinne. Non, bah justement, ouais. Donc là, actuellement, il y a Flo Lenz qui va jouer contre Savastano, Kev 62-950 qui a perdu son quart de finale contre Herbar Woody. Donc le vainqueur de la Winter Cup et du tournoi des champions FUT. Donc, franchement, le grandissime favori. Ensuite, il y aura Elunix contre Rimka95, qui fait une belle saison, Elunix, dans cette compétition. Il y a Nadol Celtic et Thunder Knight qui vont s'affronter. Donc, justement, Nadol Celtic, le tombeur de Bayou. Justement, qui penses-tu voir en demi-finale, justement? Flo Lenz, Herbar Woody. Oui, Herbar Woody, je l'ai dit, il est déjà qualifié pour les demi-finales. Ok. Et après, je t'avoue que j'ai pas trop d'avis parce que les joueurs 1 contre 1v1, je les connais pas spécialement. Est-ce que tu penses que le vainqueur de ton match va se qualifier en demi? S'il a autant de chances que sur mes matchs, ouais. Et moi, voilà. Il gagne même la finale. Toujours de la chance. Non, mais je voulais en parler quand même. Hein. Je voulais en parler parce que c'est vrai que c'est important aussi, parce qu'on ne fait pas que du club pro, on fait aussi du 1 contre 1, on fait aussi du fut. C'est pour ça que dans chaque émission, à partir de maintenant, on parlera toujours de ce qui se passe aujourd'hui dans la section FIFA de la JWF. Et ça va être important aussi de le signaler. Donc, là, je pense qu'on va passer directement aux choses qui intéressent le plus la communauté, le plus important. Donc, je pense que c'est le tirage au sort de la Community Cup. Donc, justement, est-ce que Lead est encore là? J'attends qu'il se... Oui, moi, je suis là, je vous écoute. Oui. Responsable VPF aussi, ça serait cool que tu te démutes parce que là, on passe aux choses sérieuses. Alors, j'espère que vous allez bien. Ça va, ça. Tout d'abord. Ah oui, très bien. Un petit peu excité. Comment ? Un petit peu excité. Ah, ben, tout le monde est excité, je pense. Là, je pense que là, sur le chat. Le chat, ça parle beaucoup de tirage au sort. C'est quand l'heure du tirage au sort ? À quelle heure il est ? C'est toujours les mêmes questions qui reviennent, donc je pense que tout le monde va suivre avec impatience ce tirage au sort. Donc la Community Cup, qu'est-ce que c'est en fait la Community Cup, Lead, précisément? La Community Cup, c'est une coupe intersite. D'accord. Ouais, ça regroupe différents clubs des trois sites, pour ceux qui ont voulu participer à cette première expérience. Ouais. Mais voilà, après, ça va être comme une Ligue des Champions, quoi, mais en format intersite, quoi.
D'accord. Il n'y a pas de souci. Et comment c'est venu l'idée de créer cette coupe Intersite, justement? Alors, tout d'abord, c'est VPF qui sont venus me voir pour me parler de ce projet-là. Bah justement, j'aimerais bien entendre VPF. Si c'est l'initiateur du projet, j'aimerais bien l'avoir justement qui me réponde à cette question. Comment c'est venu, comment l'idée alors de créer cette Intersite VPF responsable? Bah alors tout d'abord bonjour tout le monde. Et salut à toi. Ça m'est venu comme ça en fait d'un coup, de prendre du plaisir, de rassembler un peu tout le monde. Ouais. Parce qu'avec moi, déjà, pas de guerre, tout le monde va prendre du plaisir. Par contre, tu coupes vraiment beaucoup. Je pense que tu coupes, en fait, quand dès que tu parles, tu coupes un peu. Ah, c'est peut-être le réseau alors. Ouais, je pense que c'est les réseaux. Justement, je pense que je vais reprendre le lead, ça ne te dérange pas. Je vais reprendre le lead parce que c'est vrai qu'il coupe moins. Donc, justement, le lead. Oui. Oui, tu me disais que. Pour reprendre un peu ce que. Bah, l'idée de départ, c'était VPF qui était venu me proposer ce projet. Je n'ai pas réfléchi longtemps, hein, je crois que ça a duré 3 secondes. J'ai accepté tout de suite parce que bon, l'idée de rassembler, c'était une très très bonne idée et c'est la meilleure chose à faire parce que le but, c'est de rassembler la communauté. Et donc du coup, on a commencé à préparer ce projet. Puis ensuite, vous avez intégré le projet quelques jours après. Il n'y a pas de souci. Ouais. C'est vrai que non, mais je voulais en parler en fait. C'est vrai que tout ce qui se passe en interne, les gens ne le savent pas. Et c'est de revenir sur le début, enfin l'origine de ce projet. Et justement, qu'est-ce que vous pensez de l'avantage que pourrait avoir cette collaboration en fait entre les sites? Bah déjà de montrer que on peut le faire, parce que avec la guerre entre les sites et autres. Qui se passe, et moi personnellement ça me plaît pas trop avec l'idée de VPF et puis vous qui avez rejoint le projet, ça montre vraiment qu'on peut le faire et je pense que ça va être une très belle compétition. Donc voilà, le but c'est de rassembler la communauté et de faire une belle compétition. Ouais. C'est ça le plus important, c'est de prendre du plaisir et de représenter chacun son site. Bah, donc j'espère les gars, Corub et puis Flynn, vous allez faire une belle compétition. Parce que sinon, vous ne ferez plus partie de la GWS, pardon. Non, mais donc, je vais revenir un peu sur ça. Donc, il y aura 4 groupes de 6 équipes. Donc les 4 premiers seront qualifiés pour les phases finales. Donc, si quelqu'un peut en parler justement de comment va se passer cette Community Cup, ça dépend si VPF arrive à avoir une bonne connexion ou sinon, justement, lead. Allô? Allô, allô? Oui. Oui. Donc, soit justement VPF ou VPN, s'ils peuvent en parler justement de comment va se dérouler cette compétition, que tout le monde soit au courant et ensuite on passera à ce fameux tirage au sort tant attendu. Est-ce que vous m'entendez? Ah, moi je t'entends, je sais pas si Julien est là, mais. Oui, bah c'est pas grave, tu peux parler alors du coup. Parce que je me retrouvais un peu bien seul. Non, bah après, voilà, ça va être, comme tu l'as très bien dit, 4 groupes de 6, avec les 4 premiers qui seront qualifiés. Donc, ça va se dérouler en match aller simplement. D'accord. Et ça va leur faire 5 matchs. Combien de matchs par semaine? Ça va faire 2 matchs par semaine. D'accord. Voilà, donc il y aura un calendrier préétabli. Pour les 2 matchs par semaine. Voilà, ça veut dire que ce sera des matchs par défaut, mais voilà, c'est juste pour leur montrer les 2 matchs qu'ils ont à jouer dans la semaine, mais après, les matchs pourront l'organiser avec le manager adverse, ils pourront le jouer entre le lundi et le vendredi. Voilà, et ils auront jusqu'à mardi minuit pour prendre contact avec l'adversaire pour pouvoir organiser le match.
de la semaine. D'accord. Ben, il n'y a pas de souci, c'est parfait. Je pense que tu as tout dit. Justement, est-ce que toutes les équipes sont enregistrées sur le site VPN? Alors, là, il faut qu'on fasse un petit checking encore, mais normalement, je crois qu'ils sont tous inscrits. Ouais. Bon, après, voilà, on a mis en place aussi que les stats individuelles comptent. Donc, pour les managers qui veulent juste créer leur équipe, ils créent juste leur équipe. Du coup, ils n'auront pas leur stats individuelles des joueurs. Bon, quand je joue aussi, c'est aussi pour avoir des stats collectifs, mais aussi individuels. Parce que voilà, il y aura quand même à la fin un meilleur buteur, un meilleur passeur, le meilleur gardien. Donc voilà, mais bon, pour les managers qui veulent juste inscrire leur équipe sans les stats, ils le font. Et puis ceux qui veulent inscrire leur équipe et les joueurs sur le site, bah, ils auront du coup les stats individuels qui seront aussi compris dans la community. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, je vais commencer, hein. Je vais essayer de faire assez rapidement. Je vais rappeler toutes les équipes qui sont déjà qui sont inscrites, justement, qui seront intéressées par ce tirage au sort. Donc, en VPF, dans la Ligue de Julien, il y aura le FC City Barça, Gala Gala eSport, Top eSport B, Rhino eSport, Barin, Street eSport, Multigaming 13 et Les Fouteux. En VPN, il y aura Pandaria, Top eSport, Papy FC, une équipe assez connue sur le pro. Il y a Réawal, que je salue parce que je connais très bien le GM. Abyssal Project, Melting Pot CF, Prophecy eSport, La French Co, GM Chute et Admire, Import eSport, Zang eSport, et ensuite en GWF, il y aura le Shakhtar de Korub, qui est présent avec nous, Arlin Vignon de Bayou, s'il joue, Sauvage eSport, et une dernière équipe qui a été invitée, donc c'est les Tigris United, donc une nouvelle équipe qui vient d'être créée. Et on a voulu les tester, donc ils veulent relever le défi, donc bienvenue à eux. Donc ils ne font partie d'aucun site, mais c'est justement intéressant de voir ce qu'ils valent. Donc le tirage au sort, comment il va se dérouler? Tout va se faire sur eSport Square. Donc, justement, notre régisseur Cédric, là, Sixius, va justement générer un tirage au sort que l'on pourra un peu commenter ensemble. Et j'attends que Cédric fasse le tirage au sort et ensuite, on le commentera ensemble, en fait, justement, entre les admins et puis les GM qui sont présents. Donc, c'est parti. Donc voilà, alors ne va pas trop vite. Voilà, je reviens. Alors donc, premier groupe, alors FC City Barça de VPF, Top eSport B de VPF, Réawal de VPN, Melting Pot de VPN, Import eSport de VPN et Tigris United, l'équipe que je viens de vous parler. Le deuxième groupe. Si tu peux défiler un peu Cédric s'il te plaît afin qu'on puisse voir un peu le groupe. Donc Gala Gala eSport de VPF, Street eSport de VPF, La French Co de VPN, GM Chute et Admire de VPN, FC Paria, ben justement l'équipe de Flint, donc de la GWF, et Zangdi Sport de VPN. Si tu peux défiler pour le groupe 3. Voilà, merci. Bah justement, alors, Pool 3, Top eSport. Donc l'équipe justement entraînée par Lead, c'est bien ça? Non, Julien. Julien, autant pour moi, oui, je vous confonds en fait à chaque fois. Désolé. Donc Abyssal Project, donc de VPN, Barin de VPF,
Multigaming 13 de VPF, Les Fouteux de VPF et Shakhtar Donut. Et ensuite, le dernier, donc il y aura Pandaria de VPN, Papy FC de VPN, Rhino eSport, justement qu'on voyait, il y avait beaucoup de Gorino sur le chat, de VPF, Prophecy eSport de VPN, Arlavignon de GWF, l'équipe de Bayoubax, et Sauvage eSport de GWF, donc deux équipes qui se retrouvent de la GWF ensemble. Qu'est-ce que vous pensez de ce tirage ? On va commencer tout d'abord par Julien et ensuite Lead. Ouais, ben moi je pense que c'est de beaux tirages, franchement. Il y aura de belles affiches. De très belles affiches. Ouais, je pense aussi. Après, c'est vrai que le petit. Enfin, le petit. La petite surprise, c'est qu'on ne connaît pas en fait les adversaires. On ne connaît pas les adversaires, justement. Enfin, on ne connaît pas le niveau des adversaires. Par exemple, nous, on sait que le Shakhtar, pour nous, est favori, mais peut-être pas pour vous. Et inversement, c'est ça qui va être intéressant de voir, justement. Et toi, justement, Lead, qu'est-ce que tu penses de ce tirage ? Ah bah, le tirage, il est pas mal. Il est homogène, là, justement. Il va y avoir de belles confrontations. J'ai hâte de voir ça. Parfait. Et là, par contre, je vais parler à Julien, mais en tant que GM, que penses-tu de ton équipe ? Se trouve-t-elle dans un groupe facile, dans un groupe difficile, un groupe homogène ? J'aimerais revoir le groupe, s'il te plaît. Oui, bah vas-y, je t'en prie, Cédric, s'il te plaît, pour le groupe de Top eSport, s'il te plaît. C'est le groupe... Avec Abyss Project, Barin, Multigaming, Les Fouteux et Shakhtar Donut. Abyssal Project, un beau groupe. Équipe. Multigaming, on les a déjà joués plusieurs fois. Ouais. Pas mal. Franchement, c'est Shakhtar Donut. Ça va être très très dur de les battre. Ouais, après, les autres équipes, je n'ai jamais vraiment joué contre eux. Surtout qu'ils sont en forme, justement, le Shakhtar Donut, comme tout à l'heure. Et toi, Corrup, justement, quand on reste sur... qu'est-ce que tu en penses ? Ce que j'en pense, franchement, je connais pas suffisamment les équipes en face pour te donner un avis. Il me tarde juste de commencer justement et de voir ce que ça va donner. Et puis, comme toujours, on arrivera toujours à le même état d'esprit. Nous, on se prend pas pour des champions et on sait qu'on peut perdre chaque match. Et par contre, on a envie de tous les gagner. Quoi. On a la dalle. C'est ça, on a la dalle. Est-ce que tu es sorti avec ton gilet jaune justement pour crier qu'on a la dalle ? Aussi, ouais. Et toi, justement, Flint, que penses-tu de ton groupe ? Donc, le FC Paria, c'est le groupe 2, si je ne me trompe pas. Si tu peux relever un peu. Oui, si tu peux relever un peu, Cédric. Oui, voilà, c'est le groupe 2 avec Gala Gala eSport, Street eSport, La French Co, JM Chute et Admire et Zang eSport. Alors honnêtement, je crois que Zang eSport, ils sont dans notre division sur VPN, parce qu'on est aussi sur VPN. Ouais. Donc, je crois qu'ils sont dans notre championnat, il me semble. Je suis sûr à 90%. Il faut demander à Lid. Ouais, il faut demander à Lid, mais je pense qu'ils sont dans notre pool, je suis quasiment sûr. Et après, honnêtement, les autres, je ne les connais pas du tout. D'accord. Zang eSport, effectivement, ils sont dans votre ligue. Voilà. Actuellement, donc c'est les seuls qu'on connaît. Après les autres, je ne les connais pas du tout, donc je peux pas me prononcer là-dessus, mais on fera tout pour se qualifier. On essaiera du moins. Bah, j'espère bien que vous allez vous qualifier. C'est vrai que vous représentez pour une fois la JWF, donc bon, en tant que responsable de la JWF, j'ai envie de vous souhaiter. Plus particulièrement à vous, les gars. on est amis. D'habitude, je suis neutre, mais bon, là, je vais quand même prendre un peu plus la place de la JWM. Donc... non, après, ça va être une petite guerre entre nous, bien sûr. On va voir qui va gagner, justement. On va pouvoir un peu se chambrer entre responsables. Ça peut être. Ça va être... Franchement, ça va être ça. Ça reste le bon enfant. C'est ça. Mais, et si, par contre, si Tigris gagne. On ne sait pas comment on fait. Ce serait ça le problème. Pas justement, ouais. Comment ? Comment ? Ben, ça mettrait, au moins, ça mettrait tout le monde d'accord. Hein.
pas de gagnant. C'est ça. La communauté qui gagne. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est le principal. Voilà. Donc, je vais tous vous remercier. On va arrêter cette émission pour aujourd'hui. Je vais tous vous remercier d'avoir répondu présent, déjà tout d'abord sur le chat, où c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de prises de parole, etc. Je remercie justement Corub, donc du Shakhtar Donut. Mais merci à vous, surtout hein, pour tout ce que vous faites. Hein. Merci à toi, c'est vrai que vous êtes fidèle depuis l'année dernière, première saison de la WWF, et ça nous fait réellement plaisir. Je tiens à remercier Pint, le revenant. Le revenant. Ouais, merci à vous. Merci à vous pour l'invitation. Mais après, si je pouvais être là plus souvent, je le ferais. Malheureusement, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de matchs. Et en général, on a les matchs GWF qui se passent juste après ceux de VPN. Et après vous, on a un autre championnat. Donc, c'est très difficile pour nous, moi ou envoyer un de mes joueurs en débrief, ce qu'on pouvait faire l'année passée, mais cette année, c'est très compliqué. Mais dès qu'on pourra le faire, on le refera. Mais justement, les gars, n'hésitez pas quand il y a des lives. N'hésitez pas s'il y a des joueurs qui peuvent venir avec nous. Et c'est vraiment avec un grand plaisir de les recevoir avec nous et de pouvoir parler ensemble, de pouvoir parler de votre club, de pouvoir parler des équipes du club, etc. Ça, c'est un grand plaisir pour nous aussi que d'avoir tout, même les acteurs de la communauté, de notre communauté Club Pro, de vous avoir ensemble. Ensuite, je tiens à remercier aussi Lead, le responsable VPN, et Julien, le responsable BPF, d'avoir été présent avec nous pour ce tirage tant attendu. Le projet commence enfin, j'ai envie de dire ça. Ah, il a débuté. Il a commencé déjà il y a 15 jours. Oui, il a commencé, mais là, c'est vraiment officiel, quoi. Il y a l'affiche, il y a les tirages aussi qui viennent être effectués. Donc là, c'est vraiment officiel et ça commence à partir de la semaine prochaine. C'est bien ça, les gars ? Lundi. Parfait. Bah, c'est parfait à partir de lundi. La belle au bois dormant. Bah, écoute, tout le plaisir est pour moi. Et bon, comme tu m'as oublié pour que je donne mon avis sur le projet, je ne voudrais pas. En fait, le problème, c'est que tu m'appelles tous les jours, Bayou. Je connais ton avis à force. Non, mais pour faire simple, ça m'a fait plaisir d'entendre tout le monde, surtout les GM de chaque club, dire ouais, eux, je les connais pas, donc ça va être. On verra bien comment ça se passe. Ça veut dire que le projet est bien, ça va être vraiment une partie de plaisir pour tout le monde. Et on part un peu sur un renouveau, donc franchement, ça fait que plaisir. Et puis, on va voir ce que ça donne, quoi, tout simplement, que le meilleur gagne. Tout à fait, que le meilleur gagne. Soyons e-sportifs. Donc, merci encore à Sikius de la régie. Et tout en vous souhaitant un bon week-end, profitez bien. Et puis, on se retrouve, nous, lundi, pour commenter les matchs de la GWF. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao, ciao. Merci, au revoir. Bonne soirée.